Au fond, ce qui ne va pas dans la Ve République, c'est qu'elle ne respecte plus les principes républicains. Les principes républicains, on les connaît bien, ils ont été réfléchis depuis longtemps et ils sont au nombre de deux. Pour que le citoyen soit assuré de ne pas être injustement traité et que sa voix soit entendue, il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire doivent être indépendants les uns des autres. Ça n'est plus le cas en France depuis longtemps. Et au contraire, tous les pouvoirs sont, d'une manière ou d'une autre, concentrés entre les mêmes mains. C'est une espèce de dérive monarchique dont il faut absolument que la France sorte. Et d'autre part, le deuxième principe, c'est que dans la décision politique, le peuple doit être représenté. Le peuple, dans toutes ses composantes, équitablement représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça n'est pas le cas en France, où seuls les partis majoritaires sont représentés, ce qui entraîne alors vraiment ce qui crève les yeux, c'est-à-dire le fait que, par exemple, nous sommes le pays du monde, je crois qu'on est au 100e rang, le pays du monde qui a le moins de femmes dans ses assemblées. Nous sommes un pays dans lequel les députés ne représentent pas du tout la diversité de la nation, à la fois dans ses situations professionnelles ou dans ses origines. On a, au contraire, la concentration, une concentration de représentation des notabilités et des appareils de parti. Cela ne ressemble pas à la France que nous voulons. Donc, deux grandes orientations. Il faut changer la Constitution pour revenir à la séparation des pouvoirs, pour que le gouvernement soit authentiquement contrôlé par l'Assemblée nationale, qu'il n'ait plus le droit de passer en force comme il le fait depuis si longtemps, donc suppression du 49-3, suppression des ordonnances, qu'il soit obligé de convaincre les représentants du peuple pour faire voter les lois, et que ces représentants du peuple puissent s'assurer que le gouvernement fait ce qu'il dit par un contrôle attentif et très exigeant. Deuxièmement, il faut une loi électorale juste qui représente toutes les sensibilités importantes du peuple français, y compris celles que je n'aime pas, que j'ai combattues toute ma vie, l'extrême droite et l'extrême gauche, et en même temps qui assure une stabilité pour que la France soit évidemment gouvernée. Et c'est pourquoi moi je plaide pour un mode de scrutin du type allemand, qui garantit qu'on aura à la fois une représentation des territoires et une représentation juste des grandes sensibilités du pays. Ça marche de l'autre côté du Rhin, ça devrait marcher chez nous pour que le Parlement retrouve la dignité qu'il a perdue depuis longtemps et qui fait honte aux vrais républicains de la société française.